La maîtresse entre en classe. Elle est tout énervée. Tout est à l'école. Je compte sur vous pour être sac et pour faire bonne impression. C'est un nouvel inspecteur. Mais il peut être... Silence! La maîtresse nous a demandé de ne pas laisser tomber des billes comme la dernière fois que l'inspecteur était là, quand il s'est retrouvé par terre. Alceste, essayez de marcher. Vous va remarquer. Anya, vous êtes le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Vous mettez l'encre dans l'écrit. C'est au cas où l'inspecteur voudrait vous faire une dictée. Anya a pris la grande bouteille et il commence à verser de l'encre dans les encriers du premier banc. On a l'inspecteur! Anya a eu tellement peur qu'il a renversé de l'encre partout sur le banc. C'était une blague. L'inspecteur n'était pas là. Notaire, je vous ai vu. C'est vous qui avez accusé. L'inspecteur, l'inspecteur, les piquettes. Colter va au piquet. Il commence à pleurer. Je vais au piquet. Je me ferai remarquer. Assesse! Allez! Excusez-moi. Remarquer par inspecteur. Puis l'inspecteur me posera beaucoup de questions. En plus, ce n'était pas une blague. J'ai vu l'inspecteur avec le directeur. Wow! Banc est plein d'encre. Mettez ce banc en dernier rang. L'inspecteur entre avec le directeur. Les enfants sont en train de remuer le banc. Tout le monde est étonné. Ils sont les petits. Ils sont un peu dissipés. Vois, c'est vous mes enfants. Est-ce que ces deux élèves sont toujours placés comme ça? Il est très grand. Il est très très grand. Un petit incident. Allons mes enfants, remettez ce banc à sa place. Et très gros. Cyril et Joaquin ont retourné la banque et ils se sont assis. L'inspecteur a souri et il a posé ses mains sur les banques. Ne parlons plus de ce banc. L'inspecteur regarde ses mains qui étaillent tout bleu. Il pousse un gros soupir et il commence à essuyer ses mains avec un mouchoir. On avait des nuits avec la discipline. Il faut employer un peu de psychologie élémentaire. Mes enfants, je veux être votre ami. Il ne faut pas avoir peur de moi. Je sais que vous aimez amuser. Et moi aussi, j'aime bien rire. Vous connaissez l'histoire de Dieu. De Swartz. L'inspecteur raconte la blague de deux sourds qui vont à la pêche. Il rit, les enfants ne comprennent pas ce qu'il dit. Assez ri au travail. Je récitais le poème Le Corbeau et le Renard. Fougna. Vous la boy, récitez-moi cette fable. Moi? Moi! L'être corbeau sur une arbre pochée tenait en son bec une fromage. Non, je vais pas faire! Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Reynard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près son langage. Et bonjour, mon joli corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir,
si votre ramage se rapporte à votre plumage. Ils vont nous dire combien de temps. Quand leur donnant nos voix, ils changeront la vie des gens. Ils nous ont dit pour quel bilan. Celui d'une décennie entière sans progrès apparent. Ils vont nous dire combien de temps. Quand leur donnant nos voix, ils changeront la vie des gens. Ils nous ont dit pour quel bilan.